Salut les Vikings. Alors ce matin, je vais tester un autre bras mort de la Dordogne, mais alors là, c'est un bras mort qui est vraiment pas profond du tout. Ça s'apparente plus à du marécage. Mais l'année dernière, j'avais fait un brochet de 73 cm à cet endroit-là. Et puis cet été, j'en ai fait bouger quelques-uns que j'ai pas réussi à décider. Donc bah, je retente le coup. Alors c'est un petit peu la galère pour atteindre le bout. Là, c'est faut vraiment traverser des marécages. J'espère qu'il n'y a pas trop de flotte, que je vais pas finir embourbé, donc bah, j'espère à plus tard. Il faut que j'aille me fourrer dans des endroits incroyables. Ne surtout pas croiser de sangliers, ce serait pas mal. J'ai pris un chemin ici. Faut que je traverse. Plus d'eau, hein. Le niveau est bien remonté. Ouf. Voilà. Là-bas. Je vais chercher une branche plus à gauche. Allez, ça tape là. Ça tape. Donc parce que j'en ai plus, parce que je suis vraiment con. Mon petit Black Minnow à l'eau, super. Putain, le jour où j'arriverai à ne pas faire tomber des morts, il n'est pas encore arrivé. Comment c'est possible? Ah bah super bien. Ah putain, ça fait juste là. Allez, le caleçon, la jambe, la chaussette, tout. C'est rentré juste en bas.
Et il l'a pris juste devant. Ouais, vite, les puits, les puisettes. Putain, il remet pas dedans. Oh bah il est pas mal. Ouais, j'ai trouvé. Wow. Mal. Donc je vais mettre mon gant. Hop. La pince. Ensuite, je vais essayer de te mesurer. Donc, le problème, c'est que j'ai pas de place. Voilà. C'est que j'en pêche pas souvent des beaux poissons comme ça. Voilà, décroché. On est sur 75. Je mens pas. 75. Ouais. Voilà. Je maîtrise pas moi les brochets. Les barres, il n'y a pas de problème, mais les brochets, je maîtrise pas. Eh ben les copains, fallait le mériter ce brochet. Je me suis fait tremper. J'ai été obligé d'aller récupérer un leurre sous l'eau. La flotte est remontée par la manche, ça a dégouliné complètement à l'intérieur. Je suis rincé. Je me suis pris deux sauces mortelles. Même mes batteries de caméra ont pris de la flotte alors qu'elles sont protégées normalement. J'ai de l'eau. Vous allez voir. Regardez-moi ça, ça dégouline. Dans la botte, c'est une horreur. Je sais pas si c'est l'eau qui est rentrée tout à l'heure ou si j'ai en plus un trou. Mais alors, c'est catastrophique. Attention. Il y a de l'eau. En attendant, j'ai fait un brochet. 75 cm à une dizaine de mètres de celui que j'avais fait l'année dernière qui faisait 73. Donc je me demande si ce serait pas le même, peut-être, qui sait. Enfin voilà. Allez, salut tout le monde.